Nous tous connaissons déjà que Marcelo Sonek qui joue au football très bien, très soi. Mais dans la vidéo aujourd'hui, il y a que Real Madrid l'y mettait, donc son bagage exceptionnel. Dans l'entraînement, mes amis, monsieur, saccagez le monde, belle passe, descend le ballon, bain avec chapeau, avec l'estomac, son bagage exceptionnel. Pas oublier, mes amis, mettez dans les commentaires, est-ce que Marcelo est supposé titulaire, le Real Madrid a retourné jouer au football? Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo aujourd'hui à côté de vous présenter tout ça qui a dominé l'actualité football là. Surtout qu'il y a un pile joueur là qui révolté suite avec l'homme George Floyd et maintenant dans le championnat dans la Bundesliga, il y a un pile joueur donc qui était affiché justice pour George Floyd. Et nous gagnons toujours dans le pays l'Espagne et bien Barcelone a offert 65 millions d'euros pour jeune joueur ça qui a joué dans Brescia. Et tout ça qui est avec l'équipe FC Barcelone, il faut que nous disions que Tester Game a proposé une condition là, mes amis, qui fait Barcelone trembler, mes amis, pour renouveler le contrat. Et surtout dans la fin de la vidéo, on va venir avec un pile bel goal, mes amis, pour comparer cette vidéo jusqu'à la fin. On va venir avec un pile dossier qui a dominé l'actualité football là pour une petit posant un temps de consacrer à venir avec plus de détails. On commence à revue de presse dans le pays de la France avec le journal Le Parisien qui mettait à la une Icardi à la bonne heure. Prêté cette saison par l'Inter de Milan, le buteur argentin s'est officiellement engagé jusqu'en 2024. Un bon coup pour le PSG alors que le mercato s'annonce très incertain à cause de la pandémie. Donc c'est ça que le journal a mettait à la une. Et bien un gros coup là que Paris Saint-Germain lui-même a déboursé 60 millions d'euros, soit 50 millions plus 10 millions bonus. Donc Icardi lui-même qui officiellement là son joueur de Paris Saint-Germain. Nous voilà qu'on est dans le pays Angleterre avec le journal Daily Star qui mettait à la une Jadon Sancho hat-trick hero. Le côté que Michel Lien mettait affiché sous maillot justice pour George Floyd. George Floyd nous-mêmes nous connaît que c'est un américain noir que mes policiers là t'es vraiment tué Michel dans une situation qui est vraiment déplorable. Côté que ça qui t'es vraiment révolté tout joueur football, tout le monde dans le monde. Actuellement, il y a une grosse manifestation aux États-Unis pour bagaille ça. Et bien, nous avons dit après le match que Borussia Dortmund était battu 6-1. Et bien, Jadon Sancho qui était réalisé un triple dans un contre ça, il était affiché message ça sous maillot. C'est pas seulement Jadon Sancho puisque tu as gagné Marcus Thuram lui-même, un petit ligne Thuram qui a joué dans Mönchengladbach dans le pays de l'Allemagne. Après, il était fini réalisé un doublé pour l'équipe ça. Mais il était mis un genou dans la tête pour capable protester. Donc, contre bagaille ça, mes amis, qui a fait ravage dans le monde, qui c'est racisme et surtout l'homme George Floyd. Et il y a un autre joueur encore qui était protesté, c'était Achraf Hakimi lui-même, contre que monsieur était mis sous maillot, justice for George Floyd. Donc c'est vraiment un bar qui a fait un pile, parler un pile dans le monde football là, surtout dans le monde, mais quand même, mes amis. Donc c'est une situation qui est vraiment déplorable. Donc un pile joueur football qui a rejoint le mouvement ça pour demander justice pour George Floyd. Il y a un très bon mouvement que nous-mêmes tous nous appuyons. Pas bien sûr, appuyez le mouvement ça, tout, mettez un like dans la vidéo ça. Nous parlons dans le pays Italie avec le Tuto Sport qui mettait à la une plus fort. Et le journal qui fait connaître que Cristiano Ronaldo lui-même après test que tu as fait pour lui dans l'académie, surtout dans l'entraînement, et bien monsieur qui tournait plus fort que Jean-Théé dans le mois de mars là, il tournait avec plus vitesse, plus résistance. Est-ce que ça va lui dire que Cristiano Ronaldo lui-même pas travail pour Ballon d'Or là, nous pas connaître, mais quand même, monsieur là qui retournait plus affamé que jamais, sinon le journal Tuto Sport dans le pays Italie. Peut-être même Jean avec nous toujours pas entendu parler de ça qui est les contre-attaques. Et mais je dis à la vidéo ça, on a présenté contre-attaque ça pour qu'on mette de 1 à 10 qui n'ont pas bail pour lui et surtout pour tout contre ça qui est les contre-attaques. Donc là, on parle de contre-attaque, c'est pas seulement prendre ballon, on parle de Real Madrid, etc. Mais là, donc ça sont contre-attaques exceptionnelles qui fait dans le monde football amateur là. Donc, on continue dans le pays Italie, toujours avec une accueil de le sport qui mettait à la une. Et mais Barcelone, il mettait offert 65 millions d'euros pour jeune ça, c'est Tonali lui-même qui a évolué dans Brescia. Donc, c'est ça que le président de l'Ebani a fait qu'on est en exclusivité. Donc, Barcelone, non seulement te offre 65 millions d'euros à un club qui refusait offre là parce que Juventus avec Inter de Milan offre plus cob. Mais t'as semblé que Barcelone, il avait mis deux joueurs en transaction encore pour milieu de terrain ça lui-même qui vraiment baille un bon rendement dans l'équipe Brescia dans le pays Italie. Avant que nous venions dans la vidéo, ça, mes amis, quittez-nous poser une question. Est-ce qu'on va mettre un like en bas de la vidéo? Si vous voulez ça, qui sera obtenu, mes amis, mettez un like en bas de la vidéo. Kounia, ça a vraiment encouragé de plus de vidéos pour vous. Et pas oublier, si vous faites partie de la famille, ça, cliquez sur le bouton rouge qui est dans la vidéo pour faire partie de la famille. Et activez la cloche de notification pour toujours recevoir la prochaine vidéo que nous prenons. Donc, on continue pays Angleterre avec Daily Mirror lui-même qui fait connaître que il y a une très bonne nouvelle là. Surtout avec FA Cup lui-même qui a bien supporté. Je suis capable de lire écrit là, mes amis. Donc, chaque équipe a mené 10 000 personnes, 10 000 supporters. Donc, une très bonne nouvelle pour le pays Angleterre. Côté que le journal a mis finalement. Donc, une petite classe bonne nouvelle pour le pays Angleterre.
Nous parlons en Allemagne avec le journal Bild qui mettait à la une que le record de Gerd Müller lui-même lui va menacer par Robert Lewandowski lui-même qui était marqué un doublé face à l'équipe Fortuna Düsseldorf là. Côté Bayern de Munich qui était écrasé l'équipe ça 5-0 mes amis. Donc c'était vraiment un record de 40 goals. Et maintenant on parle que Robert Lewandowski lui-même là lui était avec 29 goals. On parle qu'il était 5 journées dans le championnat ça. Donc est-ce que Robert Lewandowski a privé battre quoi ça nous pour connaître. Mais quand même Robert Lewandowski là qui sous route pour écraser le record ça que Gerd Müller lui-même lui était metté. Et mais toujours ça qui est avec le pays l'Allemagne, il faut que nous disions que Borussia Dortmund tout, il était passé un rouleau sur l'équipe pas de bon nom. Donc c'était 6 goals à 1 mes amis, notamment avec un triplé de Jadon Sancho. Nous avons rappelé que Erling Haaland lui-même n'est pas présent dans le match là parce qu'il était blessé. Donc jusqu'à maintenant, il n'est pas retourner. Nous parlons dans le pays l'Espagne avec le journal Asa qui mettait à la une et mais Testegen lui-même il était là pour qu'il tourne un gardien qui est mieux payé au monde pour qu'il renouvelle le contrat avec FC Barcelone. C'est une nouvelle nous prend avec Thierry Pink parce que c'est un journal pour Madrid qui mettait le dehors, mais quand même, Ter Stegen qui peut j'aime renouveler avec l'équipe Barcelone. Je ne sais pas pour quelle raison, mais quand même, le journal Asti fait qu'on est que c'est parce que monsieur a bail condition parle. Et une condition, c'est pour qu'il tourne un portier qui mieux touché dans le monde. Là. Il y a un bagage nous connaît qui est vraiment difficile pour l'équipe FC Barcelone, surtout avec la crise financière que toute équipe a passé dans le monde. Là. Bon, on parle le journal Mundo Deportivo, il fait qu'on est que, eh bien, il y a des nouveaux échanges que FC Barcelone t'a proposé avec l'équipe Juventus, là, et surtout Inter de Milan, pour qu'il fait Pjanic venir avec Lautaro Martinez. Et parmi les chances, nous avons gagné, mais Junior Firpo lui-même, il a mis sous table pour Inter de Milan qui va m'intéresser avec lui. Mais sous table Juventus, il a mis Vidal, Dembélé ou bien Alenia. Mais tout le fait qu'on ait que le journal italien a été évoqué, il y a une situation côté que tu as même changé Ansu Fati avec Pjanic. Il fait qu'on ait que Ansu Fati lui-même n'est pas en vente. Donc il va jouer ça pour choisir pour essayer de terminer avec une transaction. Et je pense ça qui même fait qu'on est que Liverpool lui-même est vraiment intéressé là pour d'abord prendre Dembélé. Donc une très bonne nouvelle pour Dembélé, nous connaît qu'il peut passer un bon moment dans l'équipe FC Barcelone. Bon, on parle du journal Sport, il fait qu'on est que Semedo lui-même et Barcelone t'a demandé 40 millions d'euros pour lui. Et nous connaît que Manchester City qui est vraiment intéressé en faire jouer ça, il t'a appelé pour inclure Cancelo dans le deal là. Mais quand même, le journal a fait qu'on est que Barcelone lui-même livrait seulement l'argent. Donc il t'a appelé pour t'a poser 40 millions d'euros sous table là pour laisser Semedo lui-même aller dans l'équipe ça. Même journal il fait qu'on est que Messi lui-même qui fait déclaration, il fait qu'on est que ni football là ni la vie a pas jamais gens étaient avant, le pas jamais même gens. Et bien l'édition aujourd'hui à journal Mundo Deportivo, il fait qu'on est que Barcelone est vraiment intéressé avec Alphonso Davies lui-même qui c'est latéral gauche qui a joué une très bonne saison avec l'équipe Bayern de Munich là. Et même journal ça qui fait qu'on est que Camavinga lui-même est d'accord pour l'équipe Real de Madrid là, mais quand même 60 millions d'euros que l'équipe Lille l'a demandé pour lui. Donc c'est un vrai cas compliqué tâche là, nous connaît que joueur salien qui a seulement 17 ans. Et même journal qui fait qu'on est que Lautaro Martinez c'est un remplaçant idéal là pour Luis Suarez selon numéro. Donc c'était vraiment des numéros incroyables que monsieur a affiché là, donc surtout avec l'équipe Inter de Milan. Donc il y a un remplaçant idéal là pour Luis Suarez et surtout numéro 9 FC Barcelone, c'est Lautaro Martinez. Bon, côté par le journal Marca, dans l'édition aujourd'hui, la Liberté aurait tout match qui va jouer dans la Liga. Surtout nous connaissons le 11 juin qui a venu là-bas, un derby Betis de Séville avec Séville. Surtout nous gagnons là le 13 juin qui a venu là, mais qui a gagné Barcelone avec Mallorca. Le 14 juin qui a venu là, donc qui a gagné Real de Madrid avec Eibar, mes amis. Donc, il mettait calendrier au complet. Donc, c'est vraiment un pile match intéressant qui va gagner dans la prochaine journée Liga. Et nous avons fini la revue de presse là avec la photo ça mes amis que joueur Liverpool le jeudi dans l'entraînement était metté comme on a dit protestation contre ça a fait noir dans le monde là. Surtout avec la justice a demandé pour George Floyd. Il y a un mouvement nous a dit qui rejoint tout le monde dans le monde sportif là et surtout dans le monde là, en général. Et j'en ai pour mettre déjà mes amis, nous avons fini avec 4 goals. Surtout le premier goal là, c'est goal là que Shaqiri lui-même était marqué pour l'équipe la Suisse là, dans la Coupe du Monde 2014 là. Pas de 1 à 10 qui nous travaille pour goal ça mes amis, c'est un beau goal. Et deuxième goal là, nous pouvons aller encore avec goal ça lui-même que Tim Kyle était marqué pour le pays Australie. Pas de 1 à 10 qui nous travaille pour goal ça mes amis. Et mettez dans le commentaire dans 2 goals ça qui est soit qui est un plus belle. Donc c'était vraiment un superbe goal là, de Tim Kyle. Et troisième goal, nous parlons avec lui pour aujourd'hui, c'est un goal que Jackson Martinez a été marqué pour l'équipe Colombia. Je vais regarder là, mes amis, donc un monsieur là qui casse, il mettait deux défenseurs à tête pour mettre Gualon dans le camp. Et à trois goals, ça nous souhaite moto là, qui est soit qui plus belle, mes amis, mettez opinion pour nous en commentaire. Et c'est de 1 à 10 qui nous tombe pour goal et Jackson Martinez là. Et quatrième goal, pour aujourd'hui, pour nous finir, c'est un goal que Musa lui-même a été marqué pour l'équipe Nigeria. Je vais regarder là son gros goal de 1 à 10 qui nous tombe pour goal ça. Et entre 4 goals ça, mes amis, qui est soit qui est plus belle. Et pas oublier faire une liste, mes amis, en bas là, premier, deuxième, troisième, comment vous avez classé goal ça. Yo. Vraiment content de votre opinion dans les commentaires.
C'était vraiment un plaisir pour nous pour te porter vidéo ça pour mes amis pas oublier juste avant aller sur mes vidéos à mettre un like en bas ça vraiment encourager nous porter plus vidéos pour vous et pas oublier si pour une fois ensemble avec nous cliquez sur le bouton rouge ça qui en bas vidéo pour abonner et activer cloche notification pour pas rater prochaine vidéo que nous prenons mettre. Quant à nous à la prochaine nouvelle vidéo que bon Dieu bénisse ne pas oublier mes amis préparer nos pour des sommets qui essentiel Jésus-Christ est à la porte et pas oublier mes amis nous qui jour nous venir nous par contre qui jour nous pour aller.